Nicolas, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Nicolas. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je joue à la pétanque. Dans l'informatique, tu sais, les jeux vidéo, tout ça? Dans le monde des petits Mickey animés interactifs en 3D multimédia sur les autoroutes de la formation cyber, online, offline, Joël de René, je signe des chèques et j'emmerde le monde. Ça fait combien de temps que tu signes des chèques et que tu emmerdes le monde? Depuis que j'ai suffisamment d'argent sur le compte pour signer des chèques et emmerder le monde, ça doit bien faire 25 ans. Et là, tu signes des chèques à propos de quoi et t'emmerdes le monde à propos de quoi? Je signe des chèques à des gens géniaux, qui font des jeux géniaux et qui sont géniaux. Ils font quoi comme jeux géniaux? Ils font un jeu géniaux d'abord qui s'appelle Dark Earth et qui est géniaux. J'ai commencé à travailler sur Dark Earth et là c'est clair que j'ai pris complètement le projet en main, j'ai viré tous les gens qui étaient là, je m'en suis occupé complètement, c'est moi qui ai tout fait, j'ai fait les graphismes, j'ai fait la musique, j'ai fait la programmation, j'ai fait le scénario, j'ai fait le script, j'ai fait le design de la boîte, les affiches, c'est même moi qui ai construit les PC, j'ai inventé les différentes cartes graphiques qui sont utilisées dans ce jeu. Enfin bon, on peut dire que j'ai tout fait et que l'équipe me sert un peu de faire valoir en fait. Le directeur de la création sur le projet Dark Earth, c'est donc moi qui ai la charge de m'assurer que le projet se déroule le mieux possible et sort en temps et en heure. C'est également moi qui me suis chargé du développement de l'univers de Dark Earth à partir d'idées lancées par toute l'équipe pour créer un univers cohérent où on pourrait faire ce jeu, mais j'espère également plus tard faire d'autres jeux, des jeux d'aventure, des jeux d'action, des jeux de stratégie. La synchro des sons sur les scènes cinématiques, j'utilise Premiere, qui est un soft qui permet donc d'avoir toutes ces images en haut de l'écran et de synchroniser les sons vraiment à l'endroit où on veut, image par image, avec une panoramique, etc. etc. Donc on a quelque chose de vraiment très précis, ça se rapproche vachement de la sonorisation d'un film en fait. Et je peux coller aussi des pistes de musique, coller des dialogues dessus. Je suis le responsable de la cinématique. C'est-à-dire que je m'occupe du storyboard, je fais des lignes des persos. Et quoi d'autre? Je suis le réalisateur. Je bosse avec les autres, je fais le même boulot, mais en plus je regarde ce qu'ils font. Je m'occupe de la lumière, de l'éclairage, des mouvements de caméra. Ce que je suis en train de faire actuellement. Ça, c'est un movie qui va durer entre 10 et 15 secondes et en fait c'est la présentation. On va voir plein de personnages qui s'appellent les marcheurs dans le jeu et qui marchent dans un décor apocalyptique. On les découvre. Là pour l'instant je bosse sur Soft Image et avec toute la flopée de soft qui va autour, c'est-à-dire Photoshop, 3D Studio également, pour les effets spéciaux, pour pas mal de choses. Quoi. Là par exemple, je travaille sur un marcheur. Alors moi je travaille aussi sur Soft Image quand j'ai le temps, je travaille sur 3D Studio et j'assure en fait le montage des scènes cinématiques à l'aide du logiciel de montage virtuel Premiere, ce qui est très bien. J'assure également tout ce qui est bruitage avec le musicien et pour le moment ça se passe plutôt bien et ça sert à rien de le dire. Donc sur Dark Earth, on a cherché ensemble le style, le look, et puis
d'art médiéval, 19e siècle, moi j'adore le 19e, les matériaux, le cuir, le bronze, la machine à vapeur, et donc tout est parti de là, j'adore la mécanique aussi, donc j'en ai mis partout, et ça a donné une cuisine qui est d'Arcueil. Je fais les plans, les élévations, les perspectives, parce que 3DS ça nécessite d'être très technique dans la mise en place, donc tout soit à l'échelle pour que les persos circulent réellement. Tous nos lieux sont réellement calés les uns par rapport aux autres, les escaliers mènent réellement du premier au second, au troisième, ainsi de suite. Quand on voit les extérieurs, les intérieurs sont réellement à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai récupéré un personnage modélisé et texturé, donc je lui ai affecté une arme, et là maintenant je vais lui coller une animation que j'ai faite. Donc je vais jouer en carpeuse. Alors là, bon, création du personnage en fil de fer, en fil d'air. Une fois qu'il est prêt, il est créé. Et donc il apparaît tel quel comme ça, et avec tel quel il faut maintenant créer des textures pour les adapter sur le personnage. Donc on procède par des sélections de facettes. Je vais montrer ça plus vite. Voilà. Bon. Et à la pétanque. À la pétanque. Et à Pierre Boule. Et à Pierre Boule. Et à Roger Boulonnet. Non, attendez. On se dit comment là? Roger Boulonnet. On vit là. On se dit comment?